Merci pour fidélité. On nous retourne pour deuxième partie émission mise au point. Et nous avons toujours été dans le domaine social, sauf que nous avons quitté la partie santé. Nous avons parlé de la question de spiritualité, nous avons parlé de l'église. Et puisque il y a un spot qui a diffusé sur la télévision nationale d'Haïti concernant la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours dans Delma 75, et bien lui-même qui m'a oublié fidèle dans tête coulée avec curé paroisse, il a lancé une activité pour capable joindre l'argent pour capable reconstruire paroisse. Et bien c'est dans le cadre de ça, nous avons recevoir une deuxième partie. Madame Nativita Jean-Louis, nous avons dit merci d'être présent avec nous. Bonjour Monsieur Dumont, je remercie Télé Nationale parce que vous recevez nous pour nous parler de l'activité que nous avons fait dans l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Fragnoville pour nous capables de collecter les fonds pour nous continuer avec la construction de l'église là, qui commençait depuis 2016. Avant de nous entrer dans la question de la construction de l'église là, pour le cas d'activité ça spécialement qui a fait là, et c'était d'abord une chapelle qui parle érigée en paroisse, bah nous petite historicité tout petit. Bon, historicité, hein? En général, c'est Père Frédéric qui fait, mais comme il y a un empêchement, je vais faire un petit peu parce que je connais l'histoire là. C'est à partir de 2005 que Père Frédéric, Jean-Jacques Frédéric, chef de l'église catholique, a voyé à créer une paroisse dans Delma, Delma 75, parce que pas de gagner l'église dans la zone ça. Père Frédéric qui voit que tout le monde qui a une dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours a un problème dans la zone de Nord-Ouest à partir de 2005, on n'a pas capable l'église, on n'a pas capable Bel Air, qui c'est côté que tout le monde est allé pour faire Perpétuel Secours. Il m'a dit, est-ce qu'il est capable de choisir ce qui est vocal? Il choisit que l'église a périgé pour Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et c'est ainsi qu'en 2005, il a commencé timidement, il n'y a pas de local, il n'y a pas de fonds qui préposé pour ça. Il y a juste une série de fidèles qui connaissent la ligne, qui connaissent qui travaille, qu'on a fait dans notre paroisse que le TIE. Il a commencé mettez une série de monde qui dévoué à Notre-Dame du Perpétuel Secours qui mettent ensemble avec elle qui dit mon père nous prenons le travail pour nous ériger paroisse dans Delma 75. Effectivement, il y a pas de terrain. Il y a un grand monde qui te promet qu'il y a un terrain, le aller sous terrain, grand autre monde qui dit terrain pas pour monde non. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, c'est un cas que était loué en 2005 pour paroisse a commencé. Donc effectivement, nous avons des groupes de prière, nous avons des chorales. Toute activité ça a commencé à monter et c'est ainsi que paroisse a fondé en 2005. Maintenant, tu as un gros problème, comme on connaît en 2010, côté que finalement que paroisse a commencé à rassembler, hein, tu es venu crasé. Et le tremblement de terre de janvier. Le tremblement de terre de janvier. Étant donné que ce n'est pas ton paroisse, nous n'avons pas de gros paroisse qui était là, donc nous n'avons pas fait partie de paroisse que. Dans le fonds de reconstruction que tu as voyé, que l'église, que tu as fait des collègues pour l'église, il n'y a pas de grand fonds que tu mettais à la disposition de l'église, parce que la paroisse était nouvelle, son nouvelle paroisse. Ce n'est pas comme sacré que ce n'est pas comme l'église, notre église, exactement. Cathédrale, tu vois, donc c'était une maison privée, c'est là que le rassemblement était fait. Donc avec engouement, avec tout le monde qui commençait à visiter paroisse, qui commence à comprendre la nécessité, qui vient montrer comment ils sont contents le fait que mon paroisse qui vient créer en Delma 75. Donc à ce moment-là, tout le monde s'est remis ensemble. Et c'est ainsi que après le tremblement de terre, nous jouons des gens qui battent nos coups de main, nous jouons en pile fervente de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui vient permettre que nous fassions acquisition au terrain, côté que l'église a construit qu'on y a. Donc, ce qui veut dire que la construction a commencé en 2016, parce que nous prenons plus le temps, avec tout problème qui vient de présenter, obligé et plan offert, obligé faire études parasismiques, obligé faire toute étude ça. Et effectivement, l'église a commencé en 2016. Pour le moment, si vous passez dans la zone d'Elma 75 ans, l'église est tellement imposante, ou pas cabratel. Par contre, si on passe dans la zone, non? On passe dans la zone. Yeah, parce que clôture là de par lui-même montre que Notre-Dame du Perpétuel Secours là. Donc, c'est ainsi que nous avons fait tout effort possible. Nous avons écrit des institutions, nous avons fait des collectes, parce que nous avons un comité qui est assez dynamique. Nous avons fait des activités de collecte de fonds. Nous avons fait foire en général en mai. Nous avons fait gala, nous avons fait soirée de gala. Nous avons fait RAF. Nous avons fait un paquet d'activités qui pour permettre plus maintenant. Chaque jour dans l'église, chaque messieurs, nous toujours demandons
tout fidèle vient participer. Parce que ça, son œuvre nationale. Ce n'est pas une œuvre qui est financée par une institution, mais c'est fidèle catholique. C'est les zones de bonne volonté qui mettent ensemble KPC et aider pour faire l'église avancer. Donc, actuellement, nous trouvons que dans la situation que la construction a commencé, mais il n'y a pas fini parce qu'il y a un problème d'argent. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on connaît les coûts de construction, parce que l'on a regardé plan au départ, l'étude là, t'es paraît, nous avons besoin à peu près 77 millions de gouttes, mais maintenant ça a dépassé, on connaît avec le taux de change, avec tout prix indexé en dollars là, donc ça vient faire que vraiment les coûts ont augmenté, mais pour cela, comme moi dis, nous pas de bon financement, ni de c'est avec participation tout le monde et situation difficile, certes tout le monde connaît que situation difficile, mais grand pile monde malgré tout qui croit dans le projet, qui voit que son bagage pour participer, qui continue à nous participation. Donc un montant approximativement que nous besoin qu'on a, non? Jean nous ouais bagage ça là, m'pas de mettre montant parce que justement et ingénieur pas ba nous parce que nous gagnons nous toiture là. Nous gagnons céramique. Bon c'est vrai que nous gagnons on âme de bonne volonté, un monde qui je ne sais pas si c'est dans le coin là, mais qui déjà dit nous, la bonne participation pour toute part qu'est l'église là. Ça, c'est un homme d'affaires qui croit en maman Marie, qui croit dans tout ça qu'a fait, qui toujours mettait participation dans tout ça qu'a fait. Il déjà dit nous, parce que nous sommes loin, il a une participation et puis il dit nous que bon, de toutes les façons, le nom a privé dans le stade céramique. Je vais vous donner un coup de main. Vous connaissez peut-être ou pas ingénieur ou pas dans le domaine, non, mais il y a une idée de comment l'église là a pillé différentes parties qui a plat donné. Bon, nous avons plusieurs parties dans l'église là parce que malheureusement, je ne suis pas avec plan. Je suis capable de montrer par exemple les différentes parties, côté qu'on est capable plus ou moins voir comment l'église a fini, mais qui j'en prie. Okay. Cependant, nous avons sous-sol là, côté que nous avons des salles d'exposition. Par exemple, sur un funérail, ou capable de faire exposition dans la salle là. Ou bien nous avons une activité qu'on a besoin de faire, ou capable d'utiliser la salle ça. Okay. Donc, les célébrations, les paroisses, c'est même c'est en haut, et nous avons une capacité de 1500. De 1500 infidèles. Okay. Donc, ce qui veut dire que c'est une très grande église. Nous pas capable de dire que c'est nous-mêmes qui sommes plus grands. Mais cependant, son l'église qui a une très bonne capacité. Et Jean-Pierre Frédéric Dil, il dit qu'on ne peut pas aller au fort une grande vision. Parce que ou une population qui a augmenté au fur et à mesure. Ou une communauté qui a un grand pile de monde qui vient d'un intérêt dans la paroisse. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire bagarre et puis pour ne pas accueillir le maximum de personnes. Dans la question de grande vision, on dit 1500 fidèles et Chita normalement. Chita normalement. D'après ce voie, mais il y a un aspect qu'on reproche et plusieurs paroisses. N'a pas par exemple Sacré-Cœur, n'a pas par exemple Saint-Croix, quoi de mission, pas de parking. Fidèle, on est venu par les côtés pour mettre machine pour qu'elle prie, mon Dieu. Est-ce que Notre-Dame du Val-de-Dieu, ce que 75 a de parking? C'est ça qui fait charme communauté. Parce que nous avons une grande capacité de parking. Et l'église est construite sous presque. Non, pas construite sous un chaos, mais propriété, c'est presque un chaos de terre. Donc, ce qui veut dire que nous avons l'église, parce que Kaela, c'est une ancienne maison de quelqu'un qui a vendu la maison. Mais Kaela était déjà un chaos qui construit là-dedans. Et c'est là que Père était. Et maintenant, nous faisons l'autre construction pour nous capables de recevoir et pour par exemple nos petites boutiques côté nous vendons articles dédiés à Notre-Dame, nous gagnons bureau a, mais nous gagnons parking pour m'ta capable dire m'pa di nous pral bon parking pour 1500 moun k'ap vini, mais en général nous gagnons parking qui capable prendre plus que une centaine de véhicules. Une centaine de véhicules, c'est à ça. Peu près. Ouais, oui. Il y a un problème qui connaît aussi dans l'église, c'est que qu'on a des toilettes pour payer, mais pas des toilettes pour fidèles. Ah non, pas des toilettes dans l'église. L'église, ça, son bagage moderne. Nous avons, actuellement, nous sommes censés presque trois toilettes déjà, malgré que nous sommes en paroisse qui en construction, nous avons déjà des toilettes. Donc, ce qui veut dire que nous avons un bloc sanitaire qui, de façon, son monde vini et pas oublié. Nous-mêmes, des prétentions, là, l'église a fini parce que nous avons concentré nos cognats sur fini l'église. Là. Mais, étant donné que nous avons rempli le terrain derrière, nous-mêmes pensons que nous avons des maisons que nous construisons. Si nous avons des gens qui veulent faire un pèlerinage, par exemple, ou des gens, par exemple, Jean nous a dit l'autre jour, ou des gens qui voyagent, qui allaient à Lourdes, par exemple, ou aller à Paris, ou aller dans l'église Notre-Dame de Paris, ou aller visiter. Donc, ou des gens qui viennent en Haïti,
et puis où vous voulez nous faire des retraites. C'est comme quoi Anessa a gagné l'activité qui a fait des dix à Notre-Dame. Oui. Pas oublier que c'est 75 ans depuis Notre-Dame, du Perpétuel Secours, nous avons décrété comme patronne d'Haïti. Mm-hmm. Parce que après petite vérole, nous avons fait au coin d'histoire. Hein? Mm-hmm. Donc, ce qui veut dire que c'est la patronne d'Haïti. Donc, pour cela, avec construction. Hein? Son construction, l'œil fini, la digne de la dévotion que nous portons à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bien, et est-ce que c'est le paroissial? Oui, c'est le paroissial. Parce que en bas, j'aime dire là, nous avons invité la télévision nationale à passer, venir filmer, venir voir. Parce que où est Spotla? Spotla, bon, plus ou moins, et ça a fait, enfin, plus ou moins. Mais ce qui veut dire que l'œil fini sur place, ou a bon meilleure appréciation. Parce que nous avons une belle grotte dans la cour pour le moment. Parce que comme l'église a beaucoup fini, nous faisons célébration paroissiale dans un espace qui réduit, que nous mettons des bancs, etc. Mais une fois que l'église a fini, qu'on est capable de traverser, à ce moment-là, c'est pour aller au bel bagage. Donc, parlez-nous de Téléthon ça qui a fait dimanche 10 juin. Exactement. Et comme on dit, la paroisse a construit un pile de monde. Peut-être que les gens qui sont dans Delma 75, les gens qui sont environ, ils connaissent le Perpétuel Secours là. Mais cependant, dans pile de monde en province et dans l'autre partie du pays, qui n'est pas au courant de ce qu'a fait là. Donc, ce qui veut, il y avait un point de presse qui a été fait justement pour éviter la presse à passer pour montrer que ce qu'a fait dans Delma 75. Et c'est ainsi que nous dit, c'est un membre du comité qui a lancé l'idée, qui dit, bon, pour qui ça nous permet un téléthon, côté que nous permettre que tout le monde vienne faire participation par jour ça, parce que pas seulement fidèle, parce que la participation que nous avons, c'est les fidèles qui viennent chaque jour l'église, hein, qui portent cotisation par jour, et puis nous avons des gens comme si qui décidaient que je vais 10% de salaire chaque mois. Bon, c'est vrai que ce n'est pas régulier, c'est pour. Tu comprends donc? Oui. Étant donné que nous, on n'a pas avancé dans la phase, côté que nous avons besoin, parce que pas oublier, c'est finition qui est le gros problème, non? Et nous avons passé dans le stade de finition, donc c'est ainsi que nous voyons que nous prenons besoin d'argent. Donc nous commençons par Téléthon hein, pour nous permettre tout le monde qui est ici, qui est en Haïti, qui est à l'étranger, participer dans la construction. Qui gens ça fait? Qui gens ça fait depuis 7h du matin? Nous avons une équipe qui est sur place. C'est comme si nous avons une journée, côté courant, nous avons fait journée. Nous avons une boisson, nous avons mangé, nous avons acheté manger, nous avons des divertissements. La télévision nationale a venu filmer nous, Télé Caraïbes a venu, Télé Guinée a fait une participation. Tout, parce que nous avons un direct. Donc ça veut dire que nous avons plusieurs chorales dans la paroisse là. Choral pour performer, nous gagnons et Kako Kapvini, nous gagnons des artistes qui viennent parler, qui viennent motiver Mounio, pour y avoir nécessité pour y avoir participation par eux. Mais j'aime dire, Père Frédéric, Téléthon a commencé le 10 juin, mais son Téléthon qui pourrait être en permanence. Donc ce qui veut dire qu'on est capable, si on pas de guette, si on rate l'occasion ça, qui c'est 10 juin, on est capable toujours contacter Paroissa. Nous avons plusieurs téléphones, nous avons compte Paroissa qui est dans BNC. Donc, ce qui veut dire que m'a communiqué à la fin de l'émission, m'a communiqué numéro de téléphone de contact, m'a communiqué numéro de compte. Ce qui veut dire qu'on doit décider, par exemple, ou pas qu'on vienne dans le téléthon, on prend le parti, on doit de 50 000 dollars. On est dans le BNC, Banque Nationale de Crédit, ou dit qu'on vient faire un dépôt pour participer à la construction par la Sondé d'Amdieu. On met tout le numéro de compte là. M'a bon numéro de compte. Nous avons un numéro de compte qui est 276. 000, c'est 40389. Son compte en gourde. Les sous-noms paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Fragnouville. Nous toujours dit, nous mettez en bas FVA. Pour qui ça? Parce que il y a plusieurs paroisses Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc nous avons un saut paroisse qui est toujours endossé, mais soit là, BNC par exemple, ou elle fait dépôt, si son dépôt cash, il y a pour recevoir le bout parce que BNC et non apparaît dans la fiche dépôt. Nous avons un compte en dollars américains tout, qui c'est numéro 276-10-00-158. Donc c'est deux comptes que nous avons pour avoir ça, un compte en gourde et un compte en dollars dans la Banque Nationale de Crédit. Et nous avons un compte PayPal tout, qui c'est Notre-Dame pour les gens qui sont à l'étranger qui a besoin de participation. C'est Notre-Dame underscore haiti@yahoo.fr. Ok. Donc, numéro de téléphone. Yo. Numéro de téléphone que tu es capable de contacter? Et 22 26, parce que nous avons comme mis à notre disposition
trois lignes de téléphone. 22-26-0003, 22-26-0004, 22-26-0012. Mais nous obligés de mettre le téléphone personnel nous tout. Joue ça. Hein? Pour qui ça? Parce que il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas faire la com, numéro pas passé. Donc nous mettons le numéro. Tout le monde n'a pas eu ça. Un peu là, le comité. 41-66-80-83. 37-22-05-87. 38-77-01-01. 34-43-40-74. Donc, c'est différents numéros que vous êtes capable. Que vous êtes capable de briller. Parce que, justement, vous êtes capable de contacter nous, même après Téléthon. Parce que même après Téléthon, j'aime dire la journée, son journée côté que nous avons une pile d'activité qui vous permet de faire un show de danse. Vous comprenez, nous avons des artistes invités qui viennent faire un petit show de danse. Donc, c'est une activité vraiment son journée familiale, je vous dis. Donc, tout le monde qui a venu, il a prêté gratis, mais il a gagné pour être capable de consommer. Oui. Ma participation, c'est comme ça qui peut permettre que petit fait cher pour être capable de jouer l'argent. L'argent pour construction. Mais l'autre grande activité que nous gagnons, parce que joue Téléthon, et tout le monde est capable de gagner un véhicule à Hyundai, un bus de 12 places qui est exposé dans la Coupe Awasta. C'est un RAF que nous allons faire. Mais à Hyundai, président, directeur, permettre que y a bien installé malgré que nous pouvons gagner acquisition parce que nous allons vendre primio mais nous besoin que exposer Bustan il accepté venir exposer Bustan pour nous dans la cour d'église et nous gagnons trois motocyclettes comme prime tout n'a pas essayé exposer trois motocyclettes pour télévision nous avons télévision 55 pouces que n'a bail comme quatrième prix mais nous pas exposer télévision vraiment parce que tout le monde connaît et on télévision 55 pouces qui grosseur que lié mais il y a capable des possibilités pour le bus non rafla justement n'a des quelques carnets de rafla joue Téléthon hein? De façon à ce que si quelqu'un qui voulait participer ou pas j'aime connait si quelqu'un qui voulait participer qui prend bien capable bien billet à 1000 gourdes okay. 1000 gourdes parce que pas oublier que bus non c'est pour bail qui bon marché. Ensuite, maintenant, nous avons, tu vois, nous pas de financement. Nous pas de suffisamment de financement qui vous permettre de payer tout le coût que ça va occasionner pour acquisition de bus, etc. Et le tirage là, pour le fait qu'il y a. Tirage là, nous dit que comme c'est un bagaille pour Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous ne pas voulons reporter, nous mettons le tirage là pour 26 juin 2019. C'est une façon qui permettre de vendre tout le ticket de façon pour. Avant fête Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui c'est 27 juin, que tirage la fête à 3 heures, nous avons essayé de faire dans la coupe à Ouassa, et nous avons aimé que toute télévision vienne pour être capable de téléviser en direct tirage que nous avons fait pour collecter fonds pour la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et nous demandons des participations. Déjà, nous demandons que toute institution qui pensait que vous capable de participation, ou bien nous acheter par exemple, nous avons la télévision nationale, ou bien 50 employés. Le directeur a dit bon, Ma prend caléro a bien 25 chaque caléra fio a bien 25 tickets. Il dit bon nous mettre voyer 10 canet pour moi. Donc institution yo même direction justement direction yo capable acheter pour bailler employé yo incentive parce que employé a qui recevoir un ticket que on pas jamais connaît c'est lui capable gagner autobus là c'est lui capable gagner motocyclette là. Donc ce qui veut dire que c'est là que n'a demandé participation tout monde dans cadre activité que l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Fragnoville lancée. Nous comme activité, prochaine activité après Téléthon, c'est rafle. Mais après ça, nous avons des soirées de gala tout. Nous avons demandé des institutions parce que c'est vrai que banque BRH, BNC, grand pile institution, grand pile banque déjà, des institutions qui ont accepté acheter des carnets pour nous. Mais quand y a là, nous prenons frapper porte toute institution parce que nous avons pile lettre que nous avons écrit déjà. Depuis en 2000, avant nous commencer la construction, hein, là nous avons envergure la construction, hein, nous avons écrit toute institution, tout grand commerçant qui gagnait la ville. Là. Mais nous ne pouvons pas recevoir réponse. C'est vrai que grand pile monde qui dit nous consacrer. Ah oui, il faut nous un comité qui passe au monde. Mais il faut nous dire que tout qui est dans le comité, nous avons des activités professionnelles par nous. Nous sommes des volontaires. Nous voulons une participation par nous. Donc, ça veut dire que nous mettons le numéro de téléphone. Si nous avons intéressé, nous voulons discuter avec
comité a capable toujours relé nous mais nous ta remè que moun yo sensible à demande que nous fait parce que demande là c'est pas pour nous mais c'est pour la communauté puisque l'église là l'a prêté un patrimoine national pour Haïti par exemple madame Jean-Louis est là aujourd'hui il y a madame Micheline Figaro qui est membre du comité aussi il y a madame Marie-Josée Dumonet qui est la coordonnatrice il y a monsieur Hude et Jean Hude il y a nous avons beaucoup de personnes et puis le monde qui a bail pour que l'église là capable de l'église de façon donc madame Jean-Louis rendez-vous c'est 10 juin lié 10 juin de 10h du matin jusqu'à 7h de l'après-midi n'a gagné possibilité pour nous et accueillir tout le monde qui voulait venir par participation par eux. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, monsieur Dumont. Voilà, c'était madame Nativita Jean-Louis, membre support dans le cadre pour paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, Fagnoville, dans Delma 75, et bien avec lui, nous avons parlé dans le cadre Téléthon, ça qui a organisé dimanche 10 juin pour capable joindre l'argent, pour capable filmer tes campés paroisse en Delma. Nous sommes contents ensemble avec vous dans le cadre d'émission, ça. Nous souhaitons passer un bon journée, soit regardez-nous en direct, bon après-midi, soit regardez-nous en différé, à la prochaine.